you like a little whiskey, man? certainly not. pour un ouiskey, je suis là. voilà ce que je veux. vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. vous pouvez le faire, l'œil, n'est-ce pas, vous n'êtes pas débordé. non, monsieur, je ne suis pas du tout. bravo. for relaxing times. make it Suntory time. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Sky is the Limit. Après un troisième épisode où Emmerich m'a vraiment remplacé de sublime manière, me revoici <laughs> aux, aux commandes. Oui, oui, j'ai envie d'être dithyrambique avec, euh, avec toi. Je reviens, je reviens pour euh, discuter avec vous d'un whisky et de quelques actus. Autour de la table, on commence à avoir une bande de chroniqueurs parce que quand on est deux fois dans la même émission, je considère que vous êtes chroniqueur. Donc on a Emric. Bonjour Emric. Bonsoir. Et nous avons Blast. Bonsoir. Ça va vous deux Oui, ouais oui, très bien. En fait, oui, tu as commencé par euh, bonjour, bonsoir, bon après-midi et on sait qu'on enfin voilà, tout le monde sait <laughs> ah bah. que on est le soir pour enregistrer. Oui, on est ah, le soir bah, hein, C'est le soir. Et on est en pleine canicule. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un temps à whisky, la canicule. Mmh, bah, euh, pas tous les whiskies, mais certains, ouais ça peut le faire. Je pense que c'est un temps à bourbon sur, euh, sur la petite terrasse en bois, devant la maison, sur la <laughs> chaise. Ah sur, ouais. un <laughs> chair. sur le rocking chair. <laughs> Parce que moi, j'associe plus ça en feu de cheminée, tu vois. À, plutôt à l'hiver qu'à l'été. Je ne sais pas un, pourquoi. Un bon ailé. Euh, bon Parce que c'est tout le temps l'hiver en Écosse. <laughs> <laughs> c'est peut-être ça. Alors, euh, bah, pour cet épisode, on va pas avoir à présenter des nouveaux participants, donc ça c'est fait. On va pas avoir à raconter sa première fois avec le whisky, donc ça c'est fait. On va pouvoir passer tout de suite à vos dernières découvertes. Donc depuis la dernière fois, avez-vous goûté des nouveaux whiskies qui méritent d'être mentionnés, Émeric À toi l'honneur. Euh, oui, euh, bah j'en ai parlé à l'émission précédente, le Ninkasi Tractou euh, que j'avais commandé, qui est, qui est donc arrivé. Euh, donc deuxième whisky de la brasserie Ninkasi qui se lance dans les, dans les spiritueux. Et ben c'est une excellente surprise. Il est, il est jeune hein, vu que c'est, je pense, le, ils ont il respecté ouais. le minimum de trois ans. Et donc le Tractou à la différence du track One, le track One c'était uniquement des le malt qu'ils utilisent pour leur bière, un malt de Pils. Et là, le, dans le Tracto, c'est 90% malt de Pils et 10% malt tourbé. Et ben, je dois avouer que ben il, il me plaît bien malgré sa jeunesse, il a une petite douceur, une petite rondeur qui fait que que ça passe bien. Il est un peu fort. Il on va avoir de la rondeur à 3, à 3 ans pas mal oui oui une, une douceur je dirais pas une rondeur okay, mais une douceur oui, oui j'ai pas, pas mal c'est pas mais... mal ça parce qu'on s'attendrait pas à ça d'un whisky si jeune ça ça permet de calmer un petit peu le le coup de poing qu'on se prend d'alcool dans la face ouais <laughs> et euh, il est vieilli en fût de vin blanc donc peut-être que ça joue sur sa rondeur ah, mm -hmm. euh, je l'ai commandé aussi et euh... Il est, il est assez surprenant, effectivement, entre le, le nez et, et le goût. Mais euh, c'est une très bonne euh, surprise. Par contre, ce n'est pas, pas un whisky à recommander pour débuter dans le whisky. Il est un peu trop déroutant, je pense. Oui, il, est, euh, il est, comme dirait, part un peu dans tous les sens. Ouais. Et toi, Blast As tu fais des découvertes ces derniers ouais, euh, semaines Moi, moi j'ai découvert, ça paraît, ça paraît presque idiot, mais j'ai découvert que euh, la, le pays de Galles faisait aussi du whisky. <laughs> ça, ça, ça paraît tellement évident quand on y réfléchit et ça ne m'était absolument pas passé par l'esprit. Et euh, J'étais chez mon frangin qui en avait et euh, il avait du penderine. Euh, et du coup il m'a dit bah, tu prends la bouteille <laughs> donc je suis parti avec <laughs> et il est vraiment délicieux C'est un... alors là on est vraiment sur un whisky qui est très très bien pour pour découvrir les whiskies parce que il est euh, rond, il est accessible, il est parfumé donc euh, ouais, il a pas mal de pas mal de de, de, de plaisir qu'on retrouve dans, dans certains whiskies écossais presque euh, on, on, on le verrait presque et physiquement à mi chemin entre l'Irlande et, et l'Écosse c'est très sympa très chouette okay. mais ta remarque, ring. elle est pas et, si euh, pardon ta elle est pertinente parce que euh, autant l'Écosse et l'Irlande bon, sont connus pour le whisky autant le Pays de Galles et l'Angleterre on ne les associe pas forcément à cet alcool hein. Exactement. Donc j'étais étonné. En fait, on était en train de, de regarder dans, dans son bar parce qu'il a aussi une petite collection de, de whisky. Et, et je vois le, le dragon euh, euh, gallois. Et je me mm -hmm. dis Tiens, étrange d'utiliser le, le symbole gallois pour, pour un whisky. Il me dit Bah, c'est du whisky euh, gallois. Donc, euh, effectivement, Single Malt euh, Welsh Whisky. C'est le Miss M-Y-T-H, Penderin, p -E n d e r y n Franchement, euh, très, très agréable, très sympa. Euh, bon whisky, plaisant. Euh, je n'ai pas regardé le degré d'alcool. Il est à 40 T. Euh, oh, difficile à lire. Il est, presque gris. Il est gris sur gris, donc sur, <laughs> je dirais 47 degrés, donc assez puissant. Quand même. Ah, 47 quand même, ouais, c'est ouais, ouais. un peu plus haut que la moyenne. Oui, c'est puissant, euh, mais, euh, mais il reste euh, très 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 accessible parce que euh, il a une rondeur, une douceur qui, est, euh, qui fait que le degré d'alcool qui est un peu élevé, euh, bah, il passe quand même assez bien. Bon, ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est peut-être pas pour un tout tout débutant, mais bon. Ouais. <laughs> <Pareil, rire> c'est un à bon... un moment donné. Hein. C'est un bon whisky à mettre dans sa cave, mais pas pour commencer. Ouais. Ouais, en tout cas euh, très vite euh, parce qu'il est, il est accessible on n'est pas sur des whiskies qui, euh, qui justement mettent une grosse claque parce qu'ils sont chargés en alcool ça reste euh, la, la, la douceur le, le rend accessible donc euh, oui quelqu'un qui a bu que des whiskies à 40 degrés il va, il va prendre une, une claque mais celui qui a commencé à boire, boire des whiskies à 43 euh, disons le, le grand standard des whiskies écossais euh, trouvera ses marques assez facilement ok Parfait. Bah, moi, comme Emrick, c'est le Nin Kasi que j'ai commandé, et que j'ai bu. Donc euh, je, je n'aurais pas grand chose d'autre à dire, à part que c'est euh, bah, cool que des Français sachent faire du whisky, bien que euh, il n'est pas 100% français ce whisky. Ah. Mm -hmm. Puisque euh, si je dis pas de bêtises, je me demande si le malt il vient pas d'ailleurs c'est probable euh, Je ne trouve pas l'information parce que bah, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine rubrique qui sont les nouveautés, enfin les nouveautés, les news autour du whisky. Et euh, bah, pour rebondir là-dessus, je vais aller sur la troisième dans le conducteur, Comme ça vous ne serez pas perdus. Euh, on a découvert qu'en Seine-et-Marne, à Fresnes-sur-Marne, pardon, plus précisément. Euh, ils allaient créer une distillerie, c'est la première de la région, et c'est la troisième d'Île-de-France, et qu'ils prévoient de faire du whisky de Seine-et-Marne pour dans trois ans. Alors, euh, l'article, on le mettra dans le, la note de l'émission, mais l'article est sympa parce qu'en fait, euh, euh, c'est un agriculteur qui a eu l'idée, suite aux inondations de 2016, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de, tout, euh, de toutes ces récoltes et puis, euh, comme il a un pote qui fait déjà du rhum, bah, il s'est dit euh, pourquoi pas faire une distillerie. Ses récoltes, il avait de l'orge dont qui, qui, il n'avait pas quoi faire. Exactement. Ah, intéressant. Et, euh, et pour financer sa distillerie, ils vont commencer par euh, distiller du rhum et du gin, qui demandent moins de temps de macération que le whisky. Enfin, de macération, je ne sais pas si c'est le bon terme, de maturation, mmh. pardon. Voilà. Et pour le coup, ça sera un, un whisky 100% francilien. Le, les céréales seront euh, récoltées en, en Sénégal. Okay. ok. Voilà. Après, il y avait une autre news sur euh, un incendie qui a eu lieu aux États-Unis, euh, à la distillerie de Jim Bean, qui est un des mm -hmm. bourbons les plus bourbons ouais. au monde, je pense. Et il y a eu un incendie qui était causé par la foudre, donc quand même euh, pas de chance, qui a fait brûler 9 millions de litres de bourbon. Mmh. L'article dit que ça fait 45 000 tonneaux, ce qui est quand même pas mal. 40 wow. Ah oui, oui d'accord. Oh, oui. 9, 9 millions de litres, <laughs> c'est difficile à évaluer, mais 45, 45 000, 000 tonneaux, on se dit wow. Sérieux, mmh. Alors, ils disent que ça n'a pas d'incidence sur l'approvisionnement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, les... Je ne sais pas quelle est leur production, mais elle doit être monstrueuse parce qu'ils sont vraiment partout. Euh, ouais, je pense qu'on en trouve vraiment partout. Euh... Tiens, je vais, je vais chercher en même temps que je vous donne. C'est les... marrant parce que je ne connaissais pas euh, Jim Beam. Et là, en, en cherchant la bouteille de Bushmills Mills euh, euh, dans les supermarchés, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de Jim Beam tout partout. Et je me suis ouais, dit ouais. tiens, c'est bizarre, je ne connais pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de, de, de se lancer en France pour contrer la mainmise de Jack, Jack, de Jack Daniels. Daniel. Euh, ouais. Ils sortent exactement ouais, les mêmes, le Jack Daniels. Sa sachant le... que l'un est un Bourbon, l'autre est un euh, Tennessee Whiskey, si je ne m'abuse. Oui, enfin, ça reste euh, du Bourbon. En plus ou moins, c'est quoi C'est Four Roses qui, euh, qui est leur concurrent direct. Mais ce n'est pas exactement bon, la même bon, catégorie. Bon. Hein. Alors, euh, ce que je sais, c'est que alors, cette recrudescence que tu vois peut-être dans tes supermarchés, elle vient aussi du fait qu'il y a 4-5 ans, Jim Beam a été racheté par euh, Suntory, les japonais. Ah ouais, donc du coup, mm -hmm. c'est le rouleau compresseur pour, pour le distribuer au maximum. Exactement. Ouais, au ouais, moi, je... Jim Beam, je le connais depuis, depuis des années et des années. Je ne suis pas fan de Bourbon, c'est... C'est le euh, deuxième le... Oh. Euh, bourbon le plus vendu au monde. Ouais, en, en bourbon, je préfère le Maker's Mark. Euh, mais bon, il ouais, faut... faut que je tombe dessus, qu'il n'y a pas autre chose. Quoi. OK, bah, je peux vous donner les premiers. Donc Le premier, c'est Jack Daniels. En 2018, ils en avaient <laughs> vendu... Euh... Alors, c'est marrant. Je ne sais pas si je comprends bien ce qui est écrit. Ce sera en millions de euh, 9 litres... Donc, je suppose de 6 bouteilles de. Ah, oui, c'est des doubles galons, des trucs comme ça Ouais, c'est 9 litres. Je sais pas. C'est en millions de quelque chose. Donc, je peux vous donner le lien. C'est écrit Million 9L Case Sales. Si c'était des bouteilles d'un litre et demi, je me dirais que 6 fois 1,5, ça fait 9. Donc, ça serait des cartons. Peut-être que c'est des cartons, Simplement. Ok, mais euh, en, en, tu, tu parles là de whisky produit en Amérique, pas spécialement de Bourbon, pas uniquement de Bourbon. Alors pour le coup, tu... il y a des Canadiens, des Irlandais des Japonais. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Et, euh, et ils disent que. Euh, donc Jack Daniels, 13 millions 3 en 2018. Euh, James Beam, 9 millions. C'est une des meilleures progressions mmh. avec euh, Markers Mark. Oui, Markers Mark, j'aime bien. Et. Euh, un Irlandais qui s'appelle Tullamore Dew. Dew. Euh, oui, euh, c'est euh, un des, des, des grands Irlandais. Oui. C'est euh, le grand concurrent de, du Bushmills qu'on va goûter aujourd'hui. OK. Et il y a aussi un Suntory Tauris qui a fait une grande progression. Et dans les plus vendus, on retrouve aussi le Chrono Royal, quel Canadien. Et le Jameson, ouais. qu'on connaît parce qu'il est détenu par Pernod Ricard. Donc on a l'habitude d'en ouais, trouver ouais, un peu qui partout. Il est aussi euh, distribué vraiment. Euh, à fond. Mmh. Voilà. Et bah, du coup, on aura pu faire un tour du côté des Bourbons et des Whisky, comme ils l'écrivent oui, oui, des Whisky irlandais. Oui. Est irlandais ça. ou de souche irlandaise pour euh, effectivement le, le Jack. Alors, par contre, l'autre effet qui se coule de cet incendie qui n'est pas cool du tout, c'est que ce Whisky s'est déversé dans la rivière à côté, la rivière Kentucky, ah. et a tué toute la faune de la rivière. Donc il y a eu des millions de poissons morts. À ah, cause il devait de rouler de à gauche, euh, il devait faire être... enfin, des accidents monstrueux. <laughs> Beaucoup de poissons se sont rentrés dedans. Beaucoup les... de poissons qui sont rentrés dedans, euh, certains qui sont devenus agressifs, euh, des attaques au couteau <laughs> dans les bars, des trucs comme ça, j'imagine. Mais ouais, ça c'est vraiment euh, le côté pas cool de l'histoire, quoi. Parce qu'autant bon, il n'y a pas eu de mort, et euh, bon bah c'est du whisky qui crame. Oui parce Mais... que. Ouais, 45 000 tonneaux, euh, effectivement. Si, le, euh, si ça commence à brûler, euh, ça, ça finit par péter, casser. Et donc du coup, euh, est, le whisky ne part pas uniquement en fumée. Il, 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 il s'écoule. Et ouais, ouais, du ouais. coup, ouais, j'imagine bien la catastrophe. Euh... Surtout quand ouais, les de distilleries sont à proximité des rivières. Donc, euh... j'imagine oui, que le temps que tout brûle, ça a dû bien bien toxiquer. Euh... Autour aussi, ouais, clairement. Ouais. C'est pas l'air le plus respirable. Et puis l'alcool le, le, qui finit par se déverser dans les rivières. J'avais jamais essayé d'allumer un feu avec du <coughs> whisky. Non, jamais. <laughs> J'ai fait ça quand j'étais ado. <laughs> Avec une, une équipe, on était parti faire du camping et on n'avait vraiment rien pour allumer du whisky. Il avait plu, du, du, du feu, il n'avait plus. Tout, tout le bois était mouillé. C'était une catastrophe. Donc, on a essayé. Ça n'a pas bien marché. C est, c est moins bien. Ouais, je quoi. crois qu'il faut, il faut, il le faut le chauffer jusqu'à 6. Bah, il faudrait soit le chauffer, mais, dire, mais là, il ouais. faisait froid. C'est pour ça qu'on avait besoin de faire du feu. <laughs> donc, finalement, on a essayé puis on a bu le reste parce que <laughs> ça nous réchauffait mieux finalement. <laughs> Bon, okay. pas ça, Merci pour ce conseil. <rire> <rire> euh, on continue notre tour du monde et maintenant on va à Liverpool. On va à Liverpool parce qu'il y a un bar qui possède un whisky qui est assez rare qui s'appelle le Caruizawano de 1981. C'est assez précis. Et euh, ce bar a été dans l'actu parce que il propose ce whisky au verre et c'est le seul au, au, en Angleterre à le faire. Donc c'est un verre qui a 995 euh, livres sterling le verre. Ok. okay. <laughs> c'est un verre un peu cher. La bouteille est à 10 000, à 10 000 pounds, enfin, 10 000 livres. 10 000 livres, hein, pas mal. Et euh, le barman donne quand même son avis puisqu'il l'a goûté et il dit que c'est rond, que c'est riche et qu'il y a des notes fortes en agrumes. Si jamais vous voulez tester, OK. Donc il a goûté, okay. ça veut dire qu'il a mis un mois de salaire pour goûter. <rire> <rire> oui, il ouais. a utilisé ses privilèges. <laughs> je pense qu'il a utilisé ses privilèges. Moi, je vais me contenter de le croire sur parole. Ouais. OK. Oui, moi aussi. Je passe. Alors, est-ce que vous vous souvenez du Mac Mira Blast n'étais pas là, mais emeric, tu étais là quand, au mois de mars, on a enregistré mm -hmm. l'épisode 2. Donc oui. euh, on a goûté ce whisky d'une distillerie suédoise. Et cette distillerie innove parce qu'elle a fait le premier whisky, alors c'est un peu marketing, élaboré avec une, une intelligence artificielle. Alors, mm -hmm. alors pour être précis, parce qu'on pourrait, on pourrait croire que l'intelligence le, le, artificielle a fait le maître de chez, mais pas tout à fait. Euh, alors, ils se sont mis en partenariat avec Microsoft et leur euh, gamme Azure. Et en fait, euh, ils ont donné pas mal de données à l'algorithme, comme euh, les ventes, les, les liquides, enfin les boissons disponibles dans les fûts euh, qu'il y avait dans la réserve, euh, des recettes ou des règles un peu élémentaires de whisky et d'assemblage. Mmh. Et euh, l'algorithme a proposé plusieurs euh, sélections, qu'ensuite un maître de chez a testé. Parce qu'ils euh, expliquent que euh, pour ce qui est tout, tout ce qui est évaluation sensorielle, donc le nez, la bouche, etc., euh, l'œil, bah, un algorithme artificiel ne peut pas le faire. Oui, pas encore. Ouais. Du moins, pas encore. Alors, tu dis quelques, quelques exemples, mais euh, c'est 70 millions de recettes que l'intelligence artificielle a. a ouais <laughs> 70 ah ouais. millions que l'intelligence artificielle prédit comme populaire et de haute qualité. D'accord. Et là-dedans, ils, ils, ils en font quelques-unes, le mettre de ses gouttes. Ouais, j'y crois vachement. <laughs> bah, en tout cas, ça, possible, le hein. truc que tu parlais de coup marketing. Euh... Ah, c'est clairement un coup marketing. Et ça sera ouais, disponible ouais. en fin d'année. Tu auras une bouteille qui sera disponible. Super. La okay. dernière actu. Oh, je crois que je vais passer aussi sur celui-là. Ouais. ouais ah. Si on te l'offre. Ah ouais, ouais bah si on me l'offre je, je vais le déguster comme le whisky de Liverpool, je le goûterai aussi hein, y a pas de souci si on me l'offre je vais pas cracher dessus mais moi, enfin moi si je me trouve dans un bar où c'est disponible si c'est pas 995 <laughs> livres <laughs> le verre si ça reste raisonnable si ça reste le prix d'un verre normal je, je teste hein, ouais. Ouais, bah, la bouteille euh, standard de, de, de cette distillerie c'était bah. 60 euros je crois moi, moi ce que je, ce que, la, la question que ça m'amène, c'est qu'est-ce que cette intelligence artificielle a apporté que le maître de chez expérimenté, qui finalement est, la, est la, celui qui prend la décision finale, euh, n'aurait pas fait euh, en ayant la connaissance de, des, des, des goûts du marché et sachant ce qu'il avait en stock Ce que dit l'article, c'est que l'algorithme a proposé des combinaisons un peu mmh. exotiques en fait. Que le, ah oui, il, que le maître de chez n'aurait pas proposé. C'est quelque que le maître de chez n'aurait pas testé. Pas Exactement. Euh... Ok. Oui, ouais, ça peut s'envisager. La dernière actu, euh, c'est Nika, donc la célèbre euh, distérie japonaise, ouais. qui ouvre un bar éphémère à Paris, dans le deuxième arrondissement, jusqu'au 3 août. Donc euh, cet épisode sera diffusé le dimanche 28 juillet. Donc vous aurez 5-6 jours pour euh, aller le tester. Euh, donc dans ce bar éphémère, il n'y aura pas de whisky dédié euh, pour l'occasion. Mais par contre, on pourra euh, déguster des highballs, qui sont des cocktails japonais, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont construits autour d'une base whisky aux gazeuse. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des highballs. Non. Euh, je pense, oui, j'ai dû en goûter un. Une fois dans un bar. C'est pas mal, mais ce n'est pas le cocktail le plus... Euh... Comment dire, fou de l'année. Mm -hmm. Ça me fait penser à m'avait fait penser à une forme de whisky soda un peu améliorée. On va dire que si j'ai le choix entre un whisky coke et un eyeball, je trouve je ouais, un highball. highball est mieux. Clairement. Oui, parce que c'est peut-être plus neutre. Moi, la ouais, seule chose puis, que je mets dans du whisky, c'est un peu de whisky. Hein. <laughs> c est, c est, le reste, non. Parfois, une petite goutte d'eau, mais. Ah. Et on pourra aussi manger dans ce bar. Et alors, euh, ils ont fait un truc un peu trendy où euh, chaque jour de la semaine est associé à un kenji euh, japonais. Donc euh, okay. euh, la nourriture sera basée autour du feu le mardi, autour de l'eau le mercredi, autour de l'arbre le jeudi, autour de l'or le vendredi, ainsi que la terre. Voilà. Pourquoi pas hein Bon, il y a un côté hype euh, qui va certainement plaire à, à ceux qui ont envie de... de... Bah, D'être dans le coup, et il y a peut-être aussi l'occasion pour des, pour des gens qui ne connaissent pas d'aller déguster de de, de, bah, de découvrir le, le monde du whisky, pourquoi pas? Voilà, et donc, donc, donc ça sera l'endroit c'est euh, un, un bar à whisky qui s'appelle le Golden Promise, qui est 11 rue Ticton, donc dans le deuxième arrondissement de Paris. Et donc tu dis jusqu'au 3 août. On oh, va bah ouais. monter l'émission rapidement hein. ouais je t'ai dit dimanche <laughs> ça sort euh, ben voilà pour les actus ok euh, on va pouvoir passer au cœur du sujet c'est à dire euh, ce mills qui nous a été recommandé par Hugo qui peut malheureusement pas être là le pauvre <laughs> c'est rageant hein. <laughs> on va le voir à sa santé alors euh, Est-ce que l'un de vous euh, veut présenter Bushmills C'est une Bushmills. C'est une distillerie irlandaise créée en 1608 dans euh, l'Irlande du Nord actuelle. Euh, en 400 ans, il s'est passé beaucoup de choses euh, des incendies, médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1889. Le siège a été détruit de par Trois des Affaires. bombardements allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, la distillerie est Orne, le billet de 5 livres émis par la banque, irlandaise, la banque centrale irlandaise en 2008. Ça, c'est la classe quand même. Ça, c'est quand même cool. Hein. Ouais. C est, c est parce que, oui, ouais. la classe. Ouais. Et et il faut, euh, si, pour ceux qui regardent une carte de l'Irlande, c'est vraiment tout en haut. Euh, vous, vous pointez vraiment tout en haut du nord de l'Irlande du Nord, et c'est là que vous trouvez Bushmills. Alors, à la carte de Bushmills, Bush euh, dans, enfin, dans sa gamme. Six whisky, trois single malt de euh, 10, 16 et 21 ans d'âge. Le Red Bush, le Black Bush et euh, le Original, qui sont euh, tous les trois des blends. Ouais, donc nous, on va tester euh, le 10 ans d'âge. Le 10 ouais. ans d'âge. C'est ça. Et donc, particularité du Bush du Mills, l'achat des barriques euh, qui servent à faire le vieillissement proviennent d'endroits divers dans le monde, France, Portugal, Italie, Caraïbes. Euh, États-Unis. Ouais. Et autre particularité, pas de tourbe dans ces whisky. Mais qu'est-ce que la, la tourbe, Emric eh ben, La mmh. tourbe, c'est un agglomérat de végétaux et de terre en décomposition utilisés pendant le maltage des céréales. C'est en la brûlant au moment du séchage que vont se libérer des molécules euh, qu'on appelle les phénols qui iront parfumer le malt vert. En gros, c'est une sorte de fumage par, euh, par euh, un Précur Le, la tourbe, à la base, je crois que c'est un précurseur du, du, du charbon. Okay. Oui, c'est dans les, dans les marais, les, tous les végétaux qui sont à l'intérieur des marais, qui, qui finissent par s'agglomérer par entre eux, eux ça, et, euh, et qui, forment, qui forment cette espèce de... On est à la limite de la Terre, c'est une Terre très ça. très riche. Euh, qui... C'est un terreau très bien. très riche. C'est c'est ce qui donne le la, la une des grandes caractéristiques qu'on trouve régulièrement sur les sur les allées les aïla mm. les, les whisky les voilà. ouais les et donc le bushmills dix ans d'âge c'est -ce ça qui donne souvent le côté fumé aussi au, au whisky oui, ou c'est alors après ça ça, ça ça effectivement ça dépend de de l'usage de la tourbe ou de ou d'autres choses euh, mais c'est ce qui va commencer par donner le, le côté fumé, et puis après, euh, qui peut pousser jusqu'à ce côté euh, presque terreux, euh, euh, voire, voire complètement terreux, que, que certains recherchent et que d'autres euh, ont du mal à apprécier. Donc voilà, il n'y en a pas dans, dans ce whisky-là. OK. Voilà. Il y a, a peut-être une caractéristique à, à dire pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, typiquement, les whiskies irlandais, euh, ont un E, à la... enfin, le whisky s'écrit whisky. Euh, donc à la, à la... Juste avant le Y, il y a un E. C'est une, une des manières de, de repérer sur une bouteille si on parle de, de, de Scotch Whisky, et il s'écrira SKI, grec, euh, et s'il est irlandais ou s'il est américain mais d'origine irlandaise, il s'écrira il généralement avec E-Y à la fin. Une bonne manière de repérer. Ok, donc un whisky sera... Tout Le temps irlandais et un scotch ou américain whisky... d'origine irlandaise, ou américain comme par exemple Jack okay. qui est okay. ici, et euh... un scotch whisky sera toujours écossais ou pas? Toujours écrit. Ah bah, Alors scotch, oui. scotch ça voudra dire euh, écossais, euh, ouais, mais il s'écrira toujours avec un y. D'accord. Quand je dis toujours, euh, il peut ouais. y avoir des, des micro-exceptions de gens qui, qui veulent faire différemment, et dans le passé, il y a eu des whisky irlandais qui s'écrivaient euh, K-Y. Euh, mais maintenant, euh, c'est devenu, je présume, une, une forme de forte tradition de dire tout ce qui est euh, d'ascendance irlandaise s'écrit EY et tout ce qui est euh, d'ascendance écossaise euh, s'écrit avec un y. Ok. Alors, Jack, Dan pour, j'ai cherché un peu. Jack Daniels refuse l'appellation Bourbon, oui, tout à fait. Mais, mais il coche toutes les caisses du Bourbon. <laughs> Est-ce qu'il est, qu est, euh, en, est, qu est en, en simple distillation, si tu es sur la fiche euh, tu, que tu veux regarder D'après Wikipédia, le, il a toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir être appelé Bourbon. Ok, ouais, c'est possible. Parce qu'une euh, une des autres caractéristiques du whisky irlandais, euh, c'est que normalement, c'est une triple distillation, à la différence ouais. de l'écossais qui est une double distillation. Et si je ne m'abuse, le Bourbon, c'est une simple distillation. Qui donne, okay. euh, plus on va multiplier les distillations, plus, euh, okay. plus on va charger des, des, des parfums, on va, on va enrichir de parfums. Alors celui-là, il est, il est triple distillé, mais par contre, il est maturé en, en fût de bourbon. Ah oui, ça c'est pour être. Oui. <laughs> oui pourquoi pas. Et euh, pourquoi un pas. petit peu en xérès aussi. Et en xérès aussi, ouais. 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 Euh, J'étais en train d'étudier la bouteille euh, qui est euh, qui a pas une forme euh, euh, typique des bouteilles de whisky. Elle est un est peu plus grande et plus qui fine. Fait, qui fait penser un peu à la Johnny Walker, euh, bouteille carrée, euh, ouais. avec une forme un peu carrée. Et, euh, et en fait, je regardais parce que il y a écrit deux fois que c'est la distillerie euh, la plus vieille au monde euh, ah ayant ouais, une licence. Ça. Ils en sont fiers. Mmh. Oui, ce qu'on disait avant l'épisode, c'est que le 1608, il est, euh, il est euh, il gravé partout, sur trois euh... des quatre <laughs> faces de la bouteille. <laughs> Et sur le carton, aussi. Ils, sur sont le vraiment, carton euh, aussi. ils sont très très fiers d'être... Enfin, ils, ils se revendiquent le plus vieux whisky du monde, je me crois même. Euh, à, à tort ou à raison. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est leur revendication. C'est ça. Est-ce qu'on ne commencerait pas à le goûter oh, Bien sûr. Oh ben, oui. Allez. Hop, je vous laisse... Ah, attends, faut pas que je verse ça dans mon verre d'eau, <laughs> ça serait gâché. Voilà, le son qu'on attendait. Les mm -hmm. couleurs, on a, on a vraiment un jaune très très or, un, un peu miel, euh, miel pâle. C'est vrai qu'il est, il il est, est plutôt clair. Très très brillant, très clair. Oui, assez, assez jaune finalement, très or. Mais euh, pas vieil or. Il a, il a un côté. Euh, L'allure qu'il donne est une allure jeune. Oui, c'est ce que j'allais euh, dire. Il fait tout euh, jeune whisky. Le taureau a raison, hein, mais, mais euh, il donne une espèce de. Normalement, il y a du, du colorant euh, caramel qui est ajouté dans des dosages différents dans les whiskies irlandais. Euh, qui, qui indique, enfin qui, qui leur permet de d'appuyer dans un sens ou dans une autre la, la couleur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment très très peu parce que c'est très jaune, un jaune bah, Il est beaucoup plus clair. Attends, ouais, ouais, non pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il est un poil plus clair dans mon verre que dans la bouteille. Ah oui, bon, c'est une question euh, d'épaisseur aussi. Ouais. C'est l'épaisseur du verre, ouais. Est-ce que vous l'avez senti Parce que alors moi, je l'ai senti et pouf, il m'a débouché le nez. Hein. Oui. Oui, Alors, oui. Le, le, moi, moi je trouve qu'au nez ce qui est intéressant, je, je connais le Bushmills depuis, depuis quelques temps donc en fait je le redécouvre pas enfin je le redécouvre en permanence mais euh, je l'ai je, déjà dégusté euh, ce que j'aime bien c'est que si on passe rapidement le, le nez au dessus du verre mais qu'on qu ne s'attarde pas dessus on a un côté assez sucré, presque mielleux et si on s'arrête dessus on a une, une, une fraîcheur qui monte très, très fort et qui, effectivement, débouche le nez. Donc, il y, y a vraiment une double approche assez intéressante de, de le passer rapidement, puis après, de, 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 de s'y attarder pour, pour chercher plus loin. Et je viens de faire le test et tu as raison. C'est fou. Et, euh, et je pense que le, le, le côté très enfin, un peu sucré qu'on qu qu découvre est dû... Je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'il est dû à la triple distillation. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans beaucoup de, beaucoup de whisky irlandais qui ont ce, ce, cette caractéristique. Ok. Et toi, Emmerich euh, ben, Au nez, euh, j'aime bien. Il pique un peu, c'est vrai, au début, mais, mais sinon, il sent, il sent le frais, le fruit, presque. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Avec une petite tonte un, un peu épice, quand même, euh, qui, qui, hein. qui participe au débouchage des sinus. Mais il euh, y a effectivement il y a il y a pas mal de, de ouais de de, de, de fruits d'agrumes presque. Je n'arrive pas à sentir les agrumes comme vous. Par contre, le côté fraîcheur Ah, J'ai pas fait, dit agrumes, j'ai dit, dit fruits. J'arrive. Je je, je pas ce dire agrumes, mais c'est vraiment. Euh, c'est vrai, vrai que moi, que moi fruit, je suis à la limite de l'agrumes. Hein, on a ce, ce côté très très piquant finalement. Enfin cette petite pointe qui me fait penser à des pas du citron évidemment, hein, mais mais. Euh, bon. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est le, le truc qui, qui est derrière la fraîcheur, en fait, et qui pique un tout petit peu. Une sorte d'épice. Euh... Alors, je regarde ouais. l'affiche, et ils disent fin et onctueux sur des notes de céréales maltées, agrumes et réglisse. Ouais, réglisse, je ne sais pas. Pas, hein. pas. Moi, moi c'est surtout un, un côté presque poivre, tu vois, poivre, mmh. poivre ouais. noir. Ça, ça j'aurais plus dit oui, oui, tout à fait. Et grume je serais pas sur, sur du citron, je serais sur, je sais pas, une, un truc plus doux. c'est ouais. bah. pas typé comme une mandarine, mais ça a ça, ça, cette, cette douceur ouais. de la mandarine. J'aurais dit pas mousse, la clémentine, hein, je sais pas J'avais aussi pamplemousse. Peut-être pamplemousse. Oui, c'est quoi ça Parce que finalement, l'odeur, c'est pas si sucré. Non, effectivement. C'est au passage rapide, tu as cette espèce de miel qui, qui transparaît et euh, il, il est transplanté par, la... par le côté piquant, un petit peu euh, oui, le, le, le fruit, mais un fruit euh, vif. Mm -hmm. C'est marrant que tu parles de miel parce que j'ai triché, j'ai goûté aussi. Oh là là <laughs> Là, par contre, au goût, il y a du miel. Je n'ai pas encore goûté. l'affiche dit aussi que... Une fois aéré, viennent euh, l'huile de lin, les fleurs, le trèfle et la vanille. Alors la vanille, je crois que c'est un, cla un classique qu'on a dans quasiment ouais, tous les whiskys. Ouais, <laughs> c'est à cause du chêne, ça. Mm. Bon, on le goûte. Oui. Allez. C'est amusant parce que euh, il fait que 40. Pour ceux qui est... ont l'habitude de boire des whiskies c'est quand quoi, même la, puissant. La, la, limite, hein. la limite basse mais euh, mmh. mais il reste très vif il est pas il m'a hum. surpris on l'avait <laughs> au nez et, euh, et il confirme au goût ouais, qu'il a même s'il est que 40, euh, il existe quoi ouais, il, pas il pas a aussi une, une, attaque, une, une attaque très moelleuse très, très douce mais très vite ah, il se réveille et, euh, et il n'est pas il est pas mièvre, hein. il a il a il, il se bagarre il se défend il, il... ah oui il a Ouh. plein de plein de caractères alors, j'avais lu sur une autre, euh, ma source, mais il me trouble ce whisky, il m'a vraiment euh, retourné un petit peu le, la tête, euh, que euh, vu que c'était une triple distillation, ils, ils sont très, très forts en, en sortie de fût en fait. Donc après, ils doivent les retravailler pour les, 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 les abaisser, pour, oui. Et pour les abaisser, oui. Ouais, ils doivent les abaisser à l'eau. Euh... Ce que j'aime bien chez le Bush Mills, c'est euh, quand tu prends ton temps pour le déguster parce que il est très très long en bouche. Et, euh, et quand tu laisses euh, mourir le, le goût sans en reboire, euh, il change de nouveau de goût. On, on part euh, dans... Dans presque de la, de la, de la fougère, de l'herbe, un truc un peu, un peu, un peu séché, un petit, à la limite de l'amertume, une petite petit pointe mais légèrement amère sur les côtés de la langue. Et, et il reste très, très longtemps comme ça. Il a, il a vraiment une, une persistance que je trouve très agréable parce que elle n'est pas celle de la première bouche, elle n'est pas celle de la deuxième. Elle est, on a vraiment une, une troisième découverte en le laissant mourir tranquillement. C'est vraiment euh, très, très. Très plaisant pour moi euh, à, à déguster. Ben, on est typique d'un whisky qui pourtant est léger, mm -hmm. euh, toute proportion gardée, mm -hmm. euh, qui passe très très bien en digestif euh, au coin du feu. Oui, ah bah là, on est, là on est au coin de la cheminée avec celui-là. Hein. Ah ouais. C'est <laughs> marrant que tu parles d'herbe, de côté herbeux sur la fin. Moi oui. j'ai eu un petit, euh, un petit retour de. truc peu comme du, du thé vert. Ça pourrait euh... être ça, oui, cette espèce <laughs> d'amertume, ça pourrait être ça, oui un peu un très végétal le, le thé vert en général ouais. ça les gens enfin le thé vert en particulier le thé le matcha japonais euh, qui a vraiment, vraiment l'impression de boire de, de, de l'herbe coupée ouais et euh, c'est vrai que j'ai eu un petit, euh, un petit goût de ça un petit souvenir de, de thé vert euh, dans la bouche avec euh, le, le, la fin du goût du oui ça ça, ça goût match assez bien euh... <coughs> C'est marrant parce que là... moi, moi, je, moi je pensais à la, à la fougère, parce qu'il m'est arrivé mmh. de mâchouiller des fougères en, en traînant dans les champs, et, et ça me donne aussi cette, ce côté un peu, euh, oui. l'amertume que tu... Mais pas une amertume forte, une, non, une, pas, une... Pas, pas, Oui, justement, tout, pas un d'amertume, tout à fait. Et là c'est marrant parce qu'en parlant, je fais passer l'air dans ma bouche, et ce qui me reste, c'est le, le goût du bois. L'impression d'avoir... Les euh, ouais, un peu comme si euh, j'avais goûté, j'avais bu euh, de l'eau infusée avec des, des morceaux de bois. Enfin, ah c'est l'impression que, que j'ai. Faut que je leur boive parce que j'ai pas ça. Moi, je, je trouve qu'il y a un goût. De... Alors, c'est pas, je sais pas, si c'est du miel ou de caramel qui me reste en bouche en fait. Donc, comme tu disais que le, le miel ou le caramel, enfin, euh, où il y avait des, des colorants qui pouvaient être utilisés. Euh... Dans le whisky et c'est ça que je, oui. je sens en fait en tu bouche. Tu retrouves, tu retrouves ça. Moi, moi, je retrouve surtout une, ouais, l'aspect un peu tannique tanique qui assèche un petit peu. On n'est pas dans l'astringence, hein, mais euh, c'est ça aussi que j'aime bien. C'est cette subtilité, c'est que on a une très très légère amertume, on a une très légère astringence. En tout cas, pour moi, je, je sens vraiment le, ouais, l'aspect légèrement tanique, tout, ouais, tout en tout en tout en, tout en finesse. Mais très longue, hein. c'est incroyable le, le, le temps que ça reste en bouche. Mais il est. Non, il est, il est intéressant. Ouais. Il est intéressant. Ouais, et, puis, et puis, c'est pas désagréable comme peut l'être l'arrière-goût que laissent d'autres whisky ou d'autres boissons alcoolisées. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, qui aime bien le, le, thé, le thé vert, du coup, cette, ce petit gouffre végétal ne me, me, me déplaît pas. Mm. Ok. Est-ce que vous connaissez l'échelle de pouka pas de du peut-être Non, ça me dit rien. Euh, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder plusieurs sites qui proposent ce, ce whisky, euh, donc le Bushmills, et euh, je suis tombé sur un site qui s'appelle IrishWhiskey.fr donc la, la, mission, la maison pardon, du whisky irlandais. Et euh, pour chacun de ces whiskies, ils le mettent sur une échelle de A1,5, qui est donc l'échelle de pookay, qui a été créée par un écrivain irlandais pour classer les, les whisky entre ceux de tous les jours et euh, vraiment des whisky très riches, très complexes, euh, mmh. euh, le, le haut du panier. Et euh, donc le 1, c'est vraiment whisky de tous les jours basique qui permettent d'appréhender un petit peu le whisky. 2... Euh, avec modération, bien sûr. Bien avec entendu. modération, c'est ça <laughs> Bien sûr. Euh, donc, le 2, on monte un petit peu. On commence à dans des blends ou des maltes un peu spéciaux, etc. etc. Jusqu'à 5, qui est généralement euh, des, des whiskies à plus de 1000 dollars la bouteille. Et bien, mm -hmm. celui-là, il a 2 sur 5. Ce n'est pas un whisky oui, de tous les jours. Il a, il a un côté euh, très accessible. En même temps, il n'est pas ultra cher. Euh, il fait partie des, des grands standards, comme je disais. Euh, 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 au-delà au-delà du whisky euh, du Jameson hein, euh, euh, comme le Tue la mort ou comme euh, comme le ouais, le, le Bushmills qu'est-ce que qu'est-ce que je mettrais d'autre comme euh, comme whisky un petit peu euh, un petit peu poussé en Irlande bah, j'en vois pas vraiment d'autres euh, après j'irais plutôt sur des Américains donc euh, ouais effectivement il a un côté un petit peu plus avancé sans être pour autant euh, élitiste il est euh, il est accessible il est, il est compréhensible par, par, par des néophytes aussi. Et c'est marrant, j ai, j ai, là maintenant, j'ai versé une goutte d'eau dans le whisky oui. et mon verre, il y a une explosion de l'odeur. J'ai un verre euh, ah ouais. ver à whisky. Oui, une explosion du parfum, c'est assez impressionnant. Quoi. Il, il sent bien plus fort alors qu'il y a, je pense, deux fois moins d'alcool qu'au début de l'émission. Tu l'as vraiment euh, coupé fortement Non, non j'ai mis une goutte d'eau. Ah oui, ok. Donc, euh, oui. Juste, euh... Bah, L'eau, ça, euh, ça provoque une réaction chimique qui augmente la, la température. Donc, euh, bah, aussitôt, pouf, tu as, as, as les odeurs qui sortent. Par contre, ça casse le, le côté, sa euh, force en, en bouche. Oui. Cette goutte d'eau. Ah, oui, Cette... bah, ça, euh, 40 degrés, euh, si tu commences à descendre en dessous, ça devient compliqué. Quoi. Très bien. et bien, bah, et bah, je pense qu'on a fait le tour de ce petit, euh, ce petit whisky. Oui, je crois que je vais finir ma soirée dessus. <laughs> Là, je vais finir mon verre aussi. Émeric a quelque chose à rajouter euh, Non, 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 il est, il est bon. Euh, il se laisse déguster, ça c'est cool. Et du coup, ouais, pas besoin d'en prendre beaucoup, on, on peut le faire durer facilement. Bah, c'est vraiment le, le, le whisky qu'on qu peut avoir dans sa whisky, comment on va dire whisky tech Sa whisky tech, ouais. Euh, parmi les, les, les quelques bouteilles qu'on peut qu'on peut avoir effectivement, là il fait il fait un peu chaud mais étonnamment il est il enfin il fait un peu chaud et là il fait même très chaud parce que j'ai fermé les fenêtres euh, c'est pas c'est pas choquant c'est pas c'est pas c'est pas un problème de, de le boire en été euh, et je l'ai déjà pour pour l'avoir déjà bu en hiver euh, il passe très bien aussi donc c'est un bah, ben, note, enfin, euh, cette échelle que je connaissais pas, ça le positionne bien. Oui, c'est, on n'est pas dans du whisky tout venant, on est dans un whisky qui est travaillé, mais euh, qui est pas suffisamment complexe pour euh, dire il y a qu'un seul cadre dans lequel on peut, on peut le boire. On peut le boire euh, ouais. Il est, euh, il est assez accessible et, et sachant qu'il coûte environ 35 euros la bouteille. 35 euros, ouais. ouais. Il coûte un peu plus cher en Suisse, mais bon, c'est la Suisse. <laughs> C'est plus loin. C'est plus loin. Ouais. Euh, bah cool. Bah merci à vous. C'est merci merci un plaisir d'avoir goûté ce bouche Merci Émeric. Est-ce que maintenant on peut révéler l'envers du décor et dire que tu as sacrifié une mignonnette <laughs> Une oui. oui, Une miniature. Une miniature. Ouais. Je dans me suis temps, pris, un pris un peu euh... tard pour chercher euh, pour chercher une bouteille. C'est vrai que du coup je n'ai cherché que dans des supermarchés. Je pensais que les Monoprix étaient bien achalandés. J'étais persuadé d'avoir déjà vu du Bushmill au Monoprix et finalement non, il n'en avait pas. Donc euh, j'ai retrouvé une mignonnette parmi les, une petite, un petit paquet de mignonnettes qu'on m'avait offert à une époque. Et donc j'ai goûté un Bushmill en mignonnette qui a un petit peu vieilli dans sa mignonnette. Mais donc, donc le je goût n'a pas, pas, si pas été il... altéré. Du moins, t'as pas l'impression. Non, ça va. Je pense qu'il a peut-être perdu un peu en alcool. Enfin, euh, le bouchon n'avait pas l'air super euh, étanche, mais si, si il n'a si pas baissé. J ai, j ai mmh, la fois dernière, on faisait, on faisait du ménage avec mon épouse et on, on avait retrouvé des mignonnettes. Et certaines, euh, il manquait 2 ou 3 cm dans, dans, ah la, ouais, dans oui, la bouteille. Oui, mais la bouteille oui. était encore scellée, donc c'est pas quelqu'un qui, qui s'était mmh. enfilé une petite gorgée comme ça en passant. Et, euh, et on a goûté, parce que justement, par curiosité, et c'était plus que de l'eau. Donc à partir du moment où ah tu as perdu 2 cm, c'est que ça s'est vraiment évaporé et c'est <laughs> l'alcool qui est parti. Les n'y avait ont rien dedans. C'était une horreur. On mmh. en a quelques îles dans l'évier. Non là ça ça allait. Euh, y a... Non j'ai pas l'impression qu'il en manquait donc, donc ça... si, si elle a pas perdu euh, bah du coup ton whisky il est resté mmh. intact il y a pas de raison qu'il est qu'il perdu mmh. en force. Il a juste pris euh, ouais les 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 diverses canicules ouais, lyonnaises ouais, et bon. grenobloises. Ça peut ne pas l'avoir aidé <laughs> mais bon. Mais ça va il est, il est encore très bon. Moi bon, le mien aussi euh... il y a quelques années et, euh, et il se tient encore très bien donc il n'y a, a pas de pas de souci. Je je l'ajoute à ma à ma liste des trucs à acheter. Pour ouais, ta Whisky Tech, c'est ça. Il va les rejoindre la Whisky Tech. Merci Blast, merci Emric. Un plaisir. plaisir. Euh, Est-ce qu'on a des messages Non. Bah, juste que voilà, Sky Is The Limit est un podcast du label Podcut et que si vous voulez aller écouter d'autres podcasts, bah allez sur podcut.studio Voilà, voilà, voilà. Bonne soirée à vous. Euh, attention à la chaleur. Ne buvez pas trop d'alcool pendant cette canicule. buvez non, là, on va plutôt de l'eau gazeuse. Ouais. <laughs> Et puis, à la prochaine. Oui, ciao, ciao. Ciao. À la prochaine. Ciao. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, l'œil, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé. <laughs> non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. Four relaxing times. Make it Suntory time.